Yon lot fwa go, bonjou, bonsoir tout moun, mersi pou fidelite nou avèk ekip Mombad Media nan la, depi Mombad de Polis. Se yon plezi pou nou rejwenn nou pou yon lot video. Si se premye fwa vizite nou enfòmasyon nou pataje ou enterese ou, pa bliye abone avèk Mombad Media nan, epi ouvri chèn notifikasyon. Sa pèmèt ou fè pati ekip notifikasyon Mombad Media nan la. Men nou pa pèdi tan, nap komanse. Cool, yeah. National d'Haïti en direct, nous pouvons appeler nous que jeudi, c'est 17 octobre 2020, et 17 octobre 1806, ça fait déjà 214 l'année, et depuis que l'empereur, le premier président de la nation, ça a été gagné. On a parlé de Jean-Jacques Dessalines qui était venu l'empereur et Jacques Ier, donc et ça fait 214 l'année depuis sous Pont Rouge. Et Monsieur ça, grand héros, indépendance à lui-même, il était tombé et depuis là, ça, nous, par exemple, suspendre, commémorer de date ça, une façon bien méritée pour nous rendre un hommage, un hommage pour tout ça qu'il fait, parce que l'aime connaît que, Patap Kagen 1804, si pas de gain présence, si pas de gain implication, si pas de gain leadership de grand homme ça, que les gens qui lui-même, lui, qui prend force à l'indigène pour être capable de mener tout combat qui était capable conduit jusqu'à proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Et depuis le 1er janvier 1804, là, lui, c'était premier président qui était gagné dans la nouvelle nation Sahara qui est l'Haïti. Son façon bien particulière pour nous commémorer, pour nous rendre hommage bien mérité à grand héros indépendant ça. On a parlé de Jean-Jacques Dessalines, premier empereur, Jacques Ier,
premier président qui gagne la nation. Donc, je dis à la, monsieur ça nous connaît qui était tombé, non pour le 17 octobre 1906, c'est bien. Je dis à la, son façon bien méritée et pour rendre hommage côté président de la République là, accompagné de première dame là, et premier ministre là, avec plusieurs membres dans le cabinet ministériel là, qui présent dans le Pana pour venir faire s'améliorer au flanc, au front floral là côté. Je viens déposer un jet fleur par la même occasion. Il y a bien pour signer dans le livre d'or, le ça à côté, chaque fois, il y a une cérémonie officielle, il y a une occasion et historique ça au côté autorité officielle du gouvernement le même dans l'état le même au signé et en façon c'est une tradition pour rendre hommage de façon paillou avec héros indépendance ça on connaît Mipana qui c'est musée panthéon national dans le pays d'Haïti c'est musée ça qui caché qui serré pour nous qui mettait un côté un bon parti dans tranche l'histoire nous pour aider nous pour rappeler nous pour aider nous comprendre qui ça l'histoire donc je dis à la et deux branches deux têtes exécutif là et yo présent et chef police là présent et d'un pilote officiel qui présente tout dans l'occasion je nous dis là pour yo capable rendre hommage ça à et fondateur nation papa nation Jean-René Dilla qui c'est Jean-Jacques Dessalines qui lui-même l'unité bah la ville l'unité dédié la ville pour te créer nation ça et l'unité dédié la ville tout pour te capable de faire reconnaître que désormais premier pays qui te dit nègre, qui te dit esclave, te prend indépendance ici, pays d'Haïti, et depuis lors, et le 17 octobre 1906, j'aime connaître là, nous, plusieurs monde, qui pas trois films d'accord ensemble avec qui est arrivé assassiné sous pont rouge, et là, depuis plusieurs décennies là, date ça, l'été, une date significative dans l'histoire, pays d'Haïti, côté chaque 17 octobre, son journée côté, et puis nous avons réfléchi par rapport à ça, nous idéal, monsieur, ça te gagne, on a parlé de l'idéal de Saline, parce que son monsieur, qui te gagne en pile, bavalité en vie fait, l'été tracé en pile de l'île, pour te capable, après l'indépendance, pour te aider pays ça, pour un capli, aller sous base développement, tout bon, mais j'aime connaître l'un, malheureusement, et aventure, l'histoire t'a pas campé pour Jean-Jacques Dessalines à partir du 17 octobre 1806, côté, nous n'avons pas identifié, t'es mettez un bout dans la vie citoyen ça dans la vie premier président premier empereur que nous t'ai gagné dans l'histoire nouvelle nation ça qui t'ai fait créer le 10 le 1er janvier du 4 là connaît que et en pile l'autre date assez historique dans affaire on a parlé d'Haïti on a pris pile gros date surtout date qui gain rapport avec guerre qui t'ai mené à l'indépendance donc c'est des dates qui assez fort qui assez historique pour le monde entier, c'est pas seulement pour Haïtiens, mais l'on parlait de Jean-Jacques Dessalines, les abgardés stratégie de combat, toute saleté qu'on a utilisé, stratégie, méthode, etc. C'est des bagailles qui m'ont dit un pile réflexion, qui m'ont dit un pile étude, et les nations satisfaites créer tout, par rapport à ça, il y a comme politique pour t'arriver, conduit pays ça sur le développement donc c'est tout ça aussi des sujets d'études c'est des cas que un peu le monde envie comprendre envie abgarder est-ce que jodi a yo d'application toujours par rapport à tout ça il y a comme l'idée comme objectif que était by tête libre mais j'aime connaître là 17 octobre 1806 et la vie et empereur la vie papa nanchon lui-même il a pas prendre bout et à partir de 17 octobre 1806 et là on connaît depuis lors là jusqu'à jeudi là nous pas suspendre commémorer date ça parce que c'est une façon assez spéciale une façon bien méritée pour nous rendre hommage pour nous rendre tout ça mérité comme honneur et mérite parce que l'été travaille pour ça l'été goûte pour ça pour jeudi là tout le monde quelque toute génération de il a parlé de grands citoyens ça il a parlé de grands personnages ça il a parlé de grands héros indépendants ça qui c'est Jean-Jacques Dessalines papa nation c'est assassinat papa nation ça veut dire c'est un jour même genre avec jodi que bon groupe monde qui a un problème
avec Jean, Jean-Jacques Dessalines. C'est démarré tout pays. Monsieur, vous mettez ensemble assassiné. Je dis à moi que Jean nous dit son journée fête, son journée de réflexion, son journée de deuil, parce que pratique ça, il n'y a pas suspendre dans le pays. Et c'est pour ça que nous pour permettre que Haïti nous réveille pour pratique ça, pour suspendre. Pour que bien-être collectif là, c'est pour lui, bataille la fête, même Jean bataille a fait. Nous avons fait énergie, nous avons fait route, nous avons fait de l'eau. C'est bataille ça nous demande, et c'est pour ça nous demander la paix, nous demander l'entente, nous demander l'union. Parce que tout le monde, que ou dans l'opposition, que ou dans le parti au pouvoir, je dis à la génération future, il y a tant de bâtiments dans nous. Et ça, il y a tant de bâtiments nous, il y a tant de changement. Et changement, il a porté dans réforme. Réforme qu'a fait avec moun. Avec moun qui veut, moun qui capable. C'est réforme ça aujourd'hui, c'est li génération future à tant dans même. Et c'est pour ça que travail. Merci. C'était un message que le président, l'étape lancé dans l'occasion 17 octobre là, nous connaissons que traditionnellement son offrande florale, après offrande florale là, toujours président, toujours bon message que lancé. Et bien avant que l'équité espace Mupana, je ne connais là, jeudi à son journée, lui répéter là encore, son journée de réflexion, son journée côté chaque haïtien t'a doué, à regarder, à réfléchir, sous l'idée de Saline de Guéyo, sous objectif l'été offri, l'été baïtet lui. Donc, jeudi à là, je ne connais là, télévision nationale d'Haïti, comme toujours, nous baïtet nous, ça comme obligation pour aider au connaît, ça qu'a fait dans le pays là. Et encore une fois, donc je dis encore une fois, là, le président qui vient en fin de déposer, j'ai de fleurs là, il se parlait, il en attendait et sonnait. Voilà, nous sommes des Fofa Balé National là, lui-même qui tape jouer. Et là, c'est nous sommes capables de dire que là, nous arrivons dans le dernier moment, dans la cérémonie ça. Et côté que le président de la République là, accompagné de premier ministre, lui-même et même cabinet ministériel, plusieurs autres membres de l'administration publique là, ils viennent rendre hommage, bien mérité ça, mais occasion et journée, commémoration, 214 l'année, et un bon, et Papa Nation, m'a fait référence à Jean-Jacques Dessalines qui, je dis, a été venu rendre hommage, bien mérité. Et comme d'habitude, Télévision nationale d'Haïti, toujours by tête. L'obligation, ça pour Edouville, chaque moment fort dans l'histoire pays, chaque activité, chaque événement qui a passé, qui a un rapport avec Haïtien. Donc, Télévision nationale d'Haïti, toujours là pour Edouville. Donc, c'était en direct depuis Mupana. Et toute une équipe était mobilisée pour comprendre la journée, ça qu'a fait pendant la journée, ça. Et là, journée, nous connaissons la journée, son journée de réflexion, j'ai président de la République, la dit, côté pour nous réfléchir, garder, qui j'ai, qui côté nous parler avec PIA et qui j'en a réfléchi sur le développement et PIA, comment on a sorti PIA dans la crise économique liée. Donc, je dis encore une fois, l'inviter tout petit PIA, quel que soit côté, pour mettre tête ensemble pour capable réfléchir sur le développement pays d'Haïti, je ne connais rien. Donc, jeudi à 17 octobre et 2020, 17 octobre 1906, 214 années depuis Papa Nation est mort. Télévision nationale d'Haïti, toute une équipe est mobilisée pour de vivre et événement ça, activité ça pendant la journée. Nous remercions pour fidélité avec attention. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.